Hello tout le monde! Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Leclerc. Je suis désolée pour la lumière, on est obligé d'allumer, sinon ça fait encore plus blanc. Mais avec le montage, on essaiera de remettre un petit peu tout ça. De refoncer un peu. On va foncer ou défoncer? On va foncer. On va faire la vidéo parce que ça... Allez, c'est parti! Alors... Bon, on va commencer par... Alors, nous avons pris deux paquets, du coup... C'est tout qui tombe. Là, je vais... Deux paquets de cake Eco Plus fourrés au chocolat. C'est surtout pour ma femme parce que moi j'en prends pas. J'en prends les marques. Là nous avons de l'épidore, donc du extra moelleux nature, pain de mie. Nous avons pris du papier cuisson. De la marque Lembal, c'est 36 feuilles de 42 cm. Pas mal ça. Donc c'est déjà pré-coupé en fait les feuilles. Plutôt pas mal. Là, nous avons les croquettes. Pour chat, ce qu'on car nous avons une belle petite minette. Féline. Qui ressemble très pour très à Kyo. Ouais. C'est la même. C'est une petite demoiselle qui errait dans le village. Et en fait, elle faisait que nous suivre. Et elle rentrait dans la maison, etc. Donc du coup, on a eu pitié d'elle. Et on lui a donné à manger. Et maintenant, c'est tout. Alors, on a un poireau. On a Hercule. On a Hercule poireau. Des pains à burger. Pour les menus, je vous les mettrai en barre de description parce qu'ils sont dans le téléphone. Oui. Là, j'ai pris du petit brie. Et vous avez remarqué quand même que le pain hamburger et le pain de mie ne sont pas éclatés comme d'habitude. Monsieur le pain de mie, il a plus cher. Du petit brie. Ça, c'est pour les filles et pour moi. Parce que chéri, c'est pour son fromage à lui. Là, j'ai repris trois petits pots pour le petit chou. Parce qu'au cas où, j'aime bien en avoir quand même en réserve. J'ai pris de la blanquette de dinde avec morceaux. De carottes, tomates, maïs et haricots rouges. Et pour finir, pommes de terre, haricots verts et dinde avec morceaux. Mmh. Et là, nous avons pris du gel canard WC exprès pour moi. Les toilettes. Ah, c'est pas pour moi le matin? Non, tiens. Non? Tu vas mettre sur... Attends, vous voyez ça? Non, non, ça fait du bruit, chérie. Là, pour les filles, j'ai repris... Je l'aurais pris des liégeois. Je me suis dit, pour changer un petit peu, ce serait pas mal parce que... Entre alterner Zara et flan, moi-même j'en aurais marre, donc je me dis ça va changer un petit peu. Nous avons pris des épices à couscous. Ça c'est pour le chat, c'est pour Féline. Enfin, on l'a appelé Féline du coup. On s'est pas cassé la tête pour le coup. Mais ça lui va bien. Chérie s'est repris des petites îles flottantes par 4. Là on a un lot de 6 petits paquets de chips. J'aimerais bien prendre des Eco Plus en chips, mais le problème c'est qu'on les trouve trop salés. C'est vraiment dommage. Là, le papier toilette, celui-là il est revenu. Oui. Oui chérie. Lucas vient prendre son goûter. Là, nous avons pris de la sauce burger pour les... Burger. Non, ma faute. Comme si les gens n'avaient pas compris. Allez, c'est pas il s'est cassé la lunette. Là, on a des petits biscuits à la cuillère pour le Lulu. Franchement, il les aime, mais alors... Oh. Moi j'ai coupé un tout petit morceau. On a pris deux jus Eco Plus nectar vitaminé, pardon, excusez-moi. Et il y avait plein de litres. Multifruits. Donc j'en ai pris. J'ai pris comme ça du coup. Le sopalin, Eco Plus, ça, pour ce qu'on en fait. Là, celui-là, il faut tout remettre sur la table pour la miniature quand même. Oui. Là, on a pris des dés de fromage aux herbes de Provence et poivrons rouges. Vous voyez, qui sont comme ça. Ça, c'est pour faire avec une salade. Ce matin, ce midi, on a mangé la piémontaise, donc du coup, je me suis pris une parisienne pour changer. Ah oui. C'est la piémontaise d'hier qui restait, donc quand il nous reste. Là, on a de la brioche tranchée, ça peut être pour. Ça peut lui servir à chérie petit déjeuner, ça peut servir pour les goûter quand il n'y en a plus. Ça sert à des tas de choses. Là, on a pris du thé à la pêche. Ouais, on a pris du fresh tea pour notre apéro-dînatoire du vendredi là, de pas ce vendredi là, de vendredi prochain. On a pris du... Oui, c'est ça, de vendredi prochain, on a pris du fraîche. C'est ça. Enfin, pour vous, ce sera pas prochain, ce sera ce vendredi-là pour vous. Des saucisses sans nitrite, de la marque Repère, Trilège. Ça, c'est pour les rouler à la saucisse pour l'apéro dînatoire. Moi, je me suis pris des petites mousses liégeoises pour changer un petit peu. Je me suis dit,
Nous avons pris de les dames, de les croisés, donc de marque repère. Ça, c'est pour les sandwichs. Non, c'est pour un burger. Pour les hamburgers ? Ouais, on a dit qu'on était pour... Il est tellement bon, ce fromage. On a pris des patates. On en a pris 5 pour l'écrasé de pommes de terre. Oui, c'est mieux de les faire frais. Hein. Ouais. Ça tient montré. Ça, on l'a fait montrer. Alors là, il n'y avait plus de la terrine de campagne qu'on prend d'habitude, donc j'ai pris la plax. La plax. La terrine de sanglier au cognac. Chérie, il m'a dit le cognac, on le... normalement, on le sent pas. Donc, voilà. Petite terrine. Il est où le joli dessin ? Voilà. Et il est où, Dédé ? Des jambons, on en a deux. Voilà, on en a deux, les copus. Là, on a de la fromage de chèvre. Il y avait encore des trous, hein. Ça se met dans les rayons. Des fraises gariguettes de Corse. Ben, c'est pour moi, tu fais tout ça ? Ben, c'est pour toi. Mais non, c'est pour toi, c'est pour mettre dans ton petit déjeuner. Ah, c'est pour moi. Ben, parce qu'en fait, pour le petit déj, vous allez voir, d'ailleurs, il y a des flocons d'avoine. Je vais me faire un porridge. Voilà, il a pas trouvé des framboises, donc il s'est pris des fraises. Il y a les œufs. Si tu veux présenter les œufs. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite question pour vous. Eco Plus pour les œufs, on en a pris deux, donc ça fait 20. Non, on a pris deux boîtes. Je sais combien, t'as vu le chef, tu as mis ? Oui, j'ai dit le chef. Ensuite, on a le lait de lui pour Lucas. Un gros pack de 6. Et un pack de 6. Et on a deux fois du lait marque Repère, un demi-écrémé. C'est lourd. j'ai pas montré. Alors, ça c'est pour les petits ? Non, ça c'est pour Lucas. Ah, c'est pour Lucas ? Ouais. Sans déconner ? Ouais. Il va se régaler. Et ça c'est pour. Enfin, ou pas, ou on fera pour Lucas, je sais pas. Et ça c'est pour nous. Alors, c'est pour Lucas ou pas, on fera pour Lucas. Non, mais on verra, je sais pas. Pas du tout. J'ai repris des spaghettis, j'ai fait un paquet de 500 grammes, parce que je suis largement. Parce que j'en ai pris, mais je sais pas si j'en ai pas encore pris. En plus, il nous a arrivé un truc à le faire, trop bien. Ah ouais. Mais t'as le clair, d'un coup le petit, ben Lucas on... a perdu le petit. Donc du coup, ben on t'a le clair et on a pris les deux trucs. Alors là, je suis trop contente, une nouveauté dans notre Leclerc. Le chargeur, vite, monte vite le chercher. Oui. Ça va couper. Alors, je disais, je suis très contente pour la première fois de Leclerc, j'ai trouvé des dupes, des lions. Océane, elle aime les lions et là, j'ai voulu lui faire, je sais pas ce qu'elle voulait, j'ai voulu faire la surprise de lui prendre et j'ai vu qu'il y avait les mêmes. Que ceux que je lui prends, caramel et chocolat. Et franchement, j'étais trop contente de les trouver parce qu'ils sont moins chers que les lions pour le coup. Mais on a fait un stock au niveau céréales. Ben, je vais vous montrer le reste des céréales. Tiens. Hop là. Je branche vite mon téléphone. Ma féline. Mon amour. Voilà, sauvé. Ma chatounette. On est sauvé. Donc il y a celle-là. Moi, je me suis repris des Chocapic parce que celle marque repère, je les aime pas. Attends. Donc, je me suis pris des Chocapic. Pour fermer les portes en haut. Là, on a des petits pois. Bonjour. Mais du coup, je voulais finir les céréales. Je me suis fait un bouillie. La chérie s'est pris des smacks. Ça va être pour mettre aussi dans son porridge. Et pour Julia, j'ai pris des boules de miel parce qu'elle elle les aime beaucoup. Alors, en fait, dans le porridge, il va y avoir le porridge avec des fraises et des smacks. Saucisson sec, ça va être pour toujours notre apéro. Pour la petite Minette, on a pris de la pâtée à la volaille. Là, on lui en a pris deux. Mets les en hein, comme elle a pas aimé ce qu'on vient de mettre là. Là, j'ai pris deux accumulateurs de froid extra plat pour la glacière parce qu'il commence à faire de plus en plus chaud. Donc j'en ai pris deux. Ils étaient à moins de 2 euros. Ils étaient intéressants. Ils étaient plus intéressants de les prendre comme ça pour que de les prendre à l'unité. Là, j'ai pris 3 plaquettes de beurre. J'ai pris celle-là. C'est la moins chère. Et je crois qu'on l'avait prise une fois quand on était dans le Var. Donc, on verra ce que ça donne avec la pâtisserie. Là, chérie, il a pris ça. Je crois qu'il va faire ça pour le goûter pour quand les filles rentrent. Ça dépend du prix. La pâte feuilletée, ça, c'est pour nos relais à la saucisse. Qu'est-ce que c'est bon, les relais à la saucisse. Là, qu'est-ce qu'on a ? De la moutarde douce, parce que vous avez vu, on n'achète plus du tout de mayonnaise. Chérie, maintenant, se fait tout le temps sa mayonnaise. Et tout à l'heure, en remontant, je lui disais, mais c'est bizarre, j'ai le goût du McChicken dans la bouche, sachant qu'en Corse, il n'y a pas de McDo. Donc, c'est impossible. Et du coup, il cherche, et il me dit, mais c'est la sauce de la piémontaise. Et oui, la sauce de la piémontaise, comme il a fait lui,
C'est la même que la sauce des McChicken de McDo. Elle sent bon. Non, je disais pour la sauce que tu as fait de la pimentée, c'est la même que la sauce qu'ils utilisent dans McDo. Alors, je vais te donner une petite boîte à Féline. Et. Ça sentait bon ? Quand j'étais petit, mon grand-père, il me faisait manger les boîtes. Ah. C'est trop bon. D'ailleurs, regardez. Non, non. C'est pas celle-là. C'est le pâté. Il mange du pâté. Donc, sur, il s'est passé à son petit style Starbucks, la Columbus Café & Co. Mais là, goût spéculoos. Il m'a fait goûter, alors sur le coup le spéculoos ça va, mais ça m'écœure très vite, par contre. Ceci dit, la vraie anecdote, effectivement, mon grand-père me donnait la pâté pour ça. Là, j'ai pris deux comme ça, le rôti de porc de Eco Plus, il n'y avait plus en 8, alors on est moins cher de prendre celle-là. Celui-là, on l'a déjà pris dans le Var et franchement, il est super bon. Je sens bon. Ah ouais. J'ai pris deux paquets de jambon, voilà, du jambon classique. Ah, là, vous avez vu, elle s'est fait toute belle pour moi. Port, ouais. J'ai fait brushing. Elle s'est fait brushing. Ah, vas-y, celui-là que c'est pour chérie, c'est pour du roucoulant. L'autre, ça pue du, du framand, bébé. C'était quoi que t'avais pris? C'était du camembert? Ouais, mais du vieux camembert. Oh là là, qu'est-ce qu'il a empesté. Pourtant, j'avais mis dans le sac de congélation. Même moi, hein, pourtant, je suis pas très. Oui. Là, ça va être pour la quiche au porc au feta. On met ça. Et ça va être pour les filles pour le goûter à la maison. J'ai pris des petits palmiers pour changer un petit peu. Des petits palmiers. Un petit pony. Merci de me mettre dans la bouche. Tu es très... très aimable. Très aimable. Ça va être pour le goûter de l'école de Océane. Je lui ai pris des boudoirs. Et chez on s'est pris des tomates mozza. Et là, Lucas, il en aura aussi. Ouais. Le cacao pour le matin. On aime mieux celui des cônes, mais là, il n'y était pas. Donc, on a pris celui-là. C'est l'équivalent. C'est pareil. Et lui, d'ailleurs, il y avait eu à l'émission Les Maternelles, je crois. Je crois que c'était le matin, ils avaient fait un comparateur de tous les cacaos. Et celui qui ressortait le moins dosé en sucre, ben en fait c'était celui-là. À la grande surprise générale. À la grande surprise générale, j'appelle général. De la crème. On aime la crème. T'as craqué ou t'as... On aime la crème. Tu vas pas me dire que t'aimes pas la crème. Moi ? Ça c'est pour chérie. J'aime la crème. De la crème. L'autre jour, d'un coup, il m'a dit. J'ai jamais remangé des gingivitas. Alors, parce qu'en fait, j'ai goûté ces yaourts fromage blanc qu'elle utilise. Oui, et j'avais le même goût, en fait, que gingivitas. Mais je me suis dit, ça, c'est trop bon parce qu'il y a de la mousse de lait. Ouais. Et alors, par contre, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je sais pas pourquoi. Mais il y a un petit moment de ça, j'étais petit. Je devais avoir 9-10 ans. Ah, ben, ils peuvent pas se j'avais. Ben, j'ai dit, peut-être que les gens, ils se rappellent. je suis pas si vieux que ça, merci. Et en fait, c'était Nestlé qui faisait ça. C'était de la mousse de lait concentré sucré. Pétard, c'était bon. Ah bah tu m'étonnes. Là, on a des petits peurs tablettes. Ça va être pour Julia. Mettez-moi dans les commentaires ce que si vous connaissez ou pas. Ça, c'est pour Lulu. Ces petits yaourts. Oh, il en a marre de ça. Tu les aimes. Saveur fraise, pêche, abricot, framboise, banane. Et tu préfères lesquels, Lulu? Banane. J'ai repris de la compote. Oui, banane, il a dit, oh. La compote comme ça, ça coûte vraiment moins cher. Oh, oui. Il a dit banane. Il dit banane, mon cœur. Donc ça coûte vraiment moins cher que de l'acheter en pot. Puis là, je mets dans des petits ramequins, c'est très bien. Il m'a topé la main. T'as topé? Il m'a topé. Une sauce bolo, parce qu'on s'était rendu compte qu'une petite comme ça, ça nous faisait largement pour un plat. Alors, moi, je l'adore. Je la trouve pas super bonne, en fait. Moi, je la trouve très salée. Dans la fois, on a fait des gnocchis. Franchement, d'ailleurs, on a fait des gnocchis de mule. Ah, on avait pris les gnocchis du sucre cru. Mais vous savez, en forme de frites. C'est les gnocchis rolls. Les gnocchis rolls, ça poilait, là, en forme de frites. Ah, bon, c'était pas bon. Il a dit, allez, viens, on va prendre la marque. Si là, je n'ai marre des gnocchis marque Ropert. Ah, ouais, j'ai pris la marque au final. Alors, au final, je me suis improvisé. Hein. Alors, là, c'est les flocons d'avoine de chérie. Il y en a 500 grammes dedans. Et derrière, il y a une recette. D'accord. De chérie. Il va s'inspirer de la recette de derrière. Sauf bien sûr, on en mettra les amandes. Parce que dedans, il y a 40 g de flocons d'avoine, un verre de lait demi-écrémé, une cuillère à soupe de crème fraîche, une demi-pomme au poivre. Donc, on mettra. Bon, on a des pommes, je vais mettre de la pomme. Des fraises. Donc, il verra comment il veut, mais franchement, ça va être bien. Jury, on a pris le moins cher pour du basmati. Du basmati. Parce qu'il y en a un qu'on voulait, il est à deux riz différents.
Et il est pétard de bon de chez Marc Robert. Pétard mais là, de bon. Ah ouais, il est trop bon. Mais là, il n'y était pas. Donc, on s'est rabattu sur du simple riz basmati. Pourquoi pétard de bon? Et pour finir, sinon c'est... on a fini. Oui, on a fini. Là, non, j'en voulais pas. Le couscous moyen. Et je vais chercher le surgelé. Et du coup, en fait... Alors, la petite question que je voulais vous poser, c'est... Dites-moi, dans les commentaires, qu'est-ce que je vais manger le matin, à partir de maintenant, du coup, si vous avez bien suivi la vidéo, mettez-le dans les commentaires ici. Et voilà, en fait, il n'y a pas de jeu concours, mais en fait, c'est juste pour voir si vous avez suivi, en fait, hein, tout simplement, parce que moi, je suis intelligent et. Non, je plaisante. Non, mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris ce que j'allais manger le matin, et donnez-moi vos recettes à vous, parce que je sais pas quoi mettre en fait dans le porridge. Ah merde, j'ai dit. Alors, les steaks hachés par 10, les hachés moelleux, mais je crois que c'est pas les mêmes que d'habitude. Hachés moelleux. Et non, c'est les 100% bœuf que je prends d'habitude. Ouais, c'est pas les mêmes. Et bon. Là, il y a du cheval. Là, on a 1 kilo de légumes à couscous. Il y a toutes les frites au four. Donc j'ai pris des allumettes au four. Franchement, on a pris des pommes de terre spéciales frites. Et les ça trois fois qu'on a fait des frites, c'était de la purée. Des petites, 30 boulettes des Ecopus. Là, on les a toujours pris, on n'a jamais fait dessus. Les épinards en branche, ils étaient soit en marque plus chère, soit en marque Bio Village. Donc les épinards en branche, je les ai pris en Bio Village. Ça, c'est pour une quiche. Et pour finir, à la base, je n'avais pas besoin de passer un truc pour la semaine prochaine, mais je me suis dit, au pire, ce sera pour la semaine d'après. Parce qu'à chaque fois que je les veux, ils y sont pas. Et je me rabats sur les Ecopus, qui reviennent au final le même prix que lui, en prenant 2 paquets. D'ailleurs, pour ceux qui savent qu'ils prennent 2 paquets, sachez que ceux-là, ils font le prix de 2 paquets que vous prenez en Ecopus. Et franchement, c'est ceux que, enfin, dans la famille, c'est ceux qu'on préfère. Ceux-là de Nuggets. Même toi, tu les adores, ceux-là de Nuggets. Là, c'est simplement qu'on préfère. Donc, les amis, pour ce retour de course, on a eu pour 183 €. Donc, budget respecté, puisqu'on a notre but de ne plus dépasser 200 € par semaine pour une famille de 5. On a tenu notre budget, on est content. Et sachant que la semaine prochaine, je n'aurai pas pour la dernière semaine à faire de course, parce que depuis maintenant 2 mois, la dernière semaine, je fais une semaine blanche. Avec tout ce qui me reste à la maison, sachant que j'ai toujours dans le congélateur, c'est pour ça que je me suis rendu compte, hein. Parce que c'est, voilà, congélateur, à chaque fois il me reste, dans le frigo il me reste toujours des desserts et d'autres trucs dans le frigo, mes placards, j'ai encore des choses dans les placards, que ce soit en sucré, en salé, arrête de me refaire, en sucré, en salé, donc, et à chaque fois je rachetais, je stockais, et au final maintenant, on a mis cette méthode en place. Et je trouve que franchement, que ça le fait. Il est mort de rire. Donc les amis, si vous avez aimé ce retour de course, n'hésitez pas à liker. À commenter. À nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir à lire. Et à partager si vous avez aimé le contenu. Super. Voilà. Donc, et je veux pas dire, mais en vidéo, il a dit le mot banane. Mon petit chou. Ah, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a une panne sur Instagram. Je suis désolée, j'ai pas pu faire de story, j'ai rien pu vous publier aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une panne sur Instagram. Oh, une panne sur Instagram. Et alors, et en plus, il y a la panne sur Instagram et le com. Alors, j'ai enlevé l'application, je l'ai remise, mais je sais plus quel mot de passe j'avais mis. Et quand je clique pour qu'il me renvoie le mot de passe, eh ben, ça m'envoie pas le message parce qu'il y a une panne sur Instagram. Voilà. Et oui. Mais vous le craquez le mot de passe. Ben, tu le craqueras. Donc, les amis, à bientôt. Bye!